Bonjour, bienvenue sur votre canal de santé, de bien-être et de loisirs créatifs. Aujourd'hui, je partage avec vous un petit haul concernant deux tampons encreurs. Voilà, j'en ai plusieurs couleurs. C'est par paquet des quatre. Vous voyez? Et il y a des numéros sur lesquels vous pouvez vous retrouver quand vous souhaitez les acheter. Voilà. Et là, il y a des masking tape également, des différentes couleurs. C'est très très joli. Voilà, donc je vais les tester pour la fête des mères. On va réaliser des jolies petites choses. Là, il y a des tampons également. Vous voyez? Voilà, j'avais pris plusieurs petits modèles. Et le tampon, alors j'ai pris aussi ces modèles-là parce que j'ai envie de tester pour comparer les modèles qui sera le plus efficace au niveau de l'encre parce que certains deux fois sont pas assez efficaces. Donc je me suis dit, voilà, je vais tester comme ça on va voir celui qui sera le plus efficace. Après l'avantage, celui-là, il n'y aurait pas toutes les couleurs. Alors que ceux-là, voilà, j'ai pu trouver plusieurs variétés de couleurs. Et c'est ça qui est assez sympa. J'espère que ils sont de bonne qualité professionnelle. Et il y a aussi ces petits masking tape très très fins quand on veut faire des petites cartes sur le bordure des cartes. C'est très très fin. Donc j'avais trouvé que ça comme modèle. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé des petits trucs pour la fête de mère ou fleuris ou. Beaucoup plus sympa que ça. Et là, il y a des ornements. Voilà, pour le scrapbooking. Pour, pareil, décorer les cartes, les toiles, tout ça, tout ça. Il y a aussi quelques petits accessoires, pareil, des joailleries. Toujours pour le scrapbooking. Donc, il y a ces modèles aussi. Voilà. Et là, il y a des petits rollers de massage que j'ai pris, que je vous ferai aussi. C'est assez sympa pour faire des cadeaux pour la fête des mères. Ici, j'ai un gros paquet de 50 feutres. C'était vraiment pas cher. J'avais payé, je crois, même pas 13 euros. C'était 12,50 € comme ça. Donc, il y a 50 couleurs. Regardez la panel de couleurs. Ça, c'est sympa. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que il y a le côté un peu plus épais et le côté fin. Il y a deux côtés. Hein. Je vais poser les caméras et je vais vous montrer ça. Vous voyez? Donc voilà, le côté épais, un peu gros, et le côté plus fin. Voyez, avec la pointe très très fine. Donc pour les mandalas et tout ça, c'est vraiment super chouette. Bon, on arrive à le fermer ou pas? Où j'ai interverti peut-être oui, les bouchons. Bon. Donc je vais tester et je vais vous dire. Et ça c'est pareil. Alors ils sont numérotés, les feutres. Donc c'est assez sympa si vous souhaitez réacheter. Voilà, vous savez lesquels roses. Ou si vous avez commencé à colorier votre cahier des mandalas. Et que vous vous arrêtez sans avoir fini, vous avez les numéros. Vous pouvez discrètement mettre les numéros du feutre que vous avez utilisé. Et après, le jour où vous commencez à continuer, et bien vous retrouvez plus facilement. Voilà, un petit haul sympa. Ben écoutez, c'est parti. On se retrouve les réalisations de la fête des mères. Au plaisir de vous retrouver après quelques semaine d'absence. À bientôt. L'astucieuse maman éveille, émerveille avec ses merveilleuses créations. Au plaisir.